Y arriver. Je vais vous lire dans le chat, je vais vous lire dans le chat dans quelques instants. Excusez-moi. Il faut que je mette mon. Stardew Valley, où es-tu, Poilu? Il est là. D'accord. Je crois que je vais le jouer à la manette. Il faudra que je regarde. Et hop. Normalement, je vais faire comme ça. Oui, t'aimes bien Stardew Valley, ouais. Zelda, d'accord, vous avez l'info pour Nash. Ok, merci. Oui, un plaisir, merci d'avoir regardé Christella avec enthousiasme. Mettre la main à la Porsche. J'ai dit ça, j'ai fait un lapsus. Ton titre est changé, je veux dire. Ah oui, merci, oui, d'accord. Oui, merci, Tourta. J'en étais où? J'étais avec Wendo. Wendoline. Je vais peut-être baisser le son. Oui, voilà. J'ai pas besoin d'un retour de fou. Oui, Samantha. C'est Samantha avec qui je faisais Mumuse. Dit comme ça fait salace. Y a pas que les champs que je labourais. Ah, gros dégueulasse. Bonjour Erika. Merci, j'ai bien aimé, c'était sympa. Ouais, bah merci à toi d'avoir été là, Erika. Tu restes seul ou tu passes en vocal? Non, je reste seul. Pas de vocal, je vais être concentré. Alors, excuse-moi, mais Stardew Valley est quand même un jeu qui demande de la concentration. Parce que c'est de la gestion d'exploitation agricole. Et surtout, comme je le fais pas souvent, j'ai besoin de mon plein cerveau pour me dire j'ai pas loupé le coche dans une journée virtuelle qui passe très vite. Donc non, pas de vocal, ça va me troubler. Surtout que je veux lire les dialogues. Je t'ai copié la réponse de Wisebot sur le rallye. Ouais, merci, merci Trotin, merci. D'ailleurs, je suis même surpris de me dire que le chargement en cours est vachement long. Je me souvenais pas que Stardew Valley était si long les chargements. Enfin, tant que ça marche. Tout ce que je demande. Oui, là, aux premières lectures visuelles de l'exploitation agricole, il faut que je me rappelle de ce que je faisais. J'avais mes premières plantations. Je crois qu'on inaugure la deuxième semaine au printemps. Et après, je sais même plus ce que j'ai comme coffre, et le matos dedans, je sais plus du tout. Faudra que je relise tout. Oula, il me fait flipper le jeu avec chargement en cours qui dure 3 ans. C'est pas aussi long que ça, Stardew Valley. C'est pas comme si j'avais défragmenté mon disque dur au niveau du jeu, ça doit être plus rapide. Alors toi, tu dis pas la première question, mais la deuxième. Si tu n'avais pas vu, ça pourrait être sympa pour toi. Oui, je reverrai. Pardon, j'essaie d'avoir le. Enfin, tu me diras, je peux remonter mon historique de chat maintenant. La deuxième question sur le rallye. Quelle est la prochaine date de rallye de Nancy? Oui, le 15 septembre. Ouais, alors attention, quand on dit rallye de Nancy, c'est pas forcément dans Nancy intramuros. Ça m'est pas forcément accessible parce que le rallye de Nancy peut être à 30 bornes autour de Nancy. Et pour y aller, faut voir, faut voir. Mais oui, Torota, merci. Comme à un moment, il y avait la réponse, c'est à Malzéville, là où il y a le plateau, que le rallye se passe. Mais ouais. Non, il y a. J'avais bien aimé. Il y a des années de ça, j'ai fait des magnifiques photos. Il y avait une exposition justement du rallye de Lorraine qui était à quelques pas de chez moi. Et ils étaient au karting au Berlin en plus, là où ils exposaient une partie des bagnoles, pas tout. Il y avait plusieurs points de chute ce week-end-là. Et j'ai fait des photos superbes. Non, mais il y a un bug. J'ai peur. J'espère que ma sauvegarde n'est pas corrompue. Attendez, et je flippe avec Stardew Valley là. Je sais pas ce qu'il me fait. Le jeu est en train de me faire peur. Oui? Ah, je peux faire. Comment j'ai déclenché ça, moi? Ah! J'ai retrouvé la miss. Alors, qu'est-ce que je faisais?
Attendez, j'ai de la de l'herbe poiscaille, coquillage. Alors je joue bien à la manette. J'ai des décos, j'en ai rien à péter pour le moment. Ah, j'ai du courrier. Attendez, méchant, c'était quoi? Ah, faut falloir que j'arrose. Mon arbre. Oui, je me disais bien, j'avais fait. Oh, il y a de la bouffe. Il y a de la cueillette à faire, on est au début, son. Il est où mon. Ah, il est là, mon arrosoir. Ah oui, il faut que je me coltine. Là, 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 vivement que j'ai les moyens de m'offrir des arroseurs automatiques. Dès que j'aurai accès à la technologie, je vais me voudrer là-dessus. Oui, tiens, petite précision rapide sur les promenades. Je vois que ça vous plaît sur YouTube. Mes vidéos promenades, c'est presque les seules qui ont des pouces levés vers le haut, là, les j'aime. Alors, j'ai quasiment pas de commentaires, là, ça fait des mois où je suis tranquille, j'ai pas de commentaires. Enfin, tranquille, je parle mal. Mais j'ai pas besoin de répondre à vos remarques. Mais j'ai beaucoup de. Enfin, j'ai beaucoup. J'ai quelques pouces levés vers le haut, j'aime dans les vœux de promenade, j'ai bien compris que ça vous plaît. En général, il se passe rien au niveau de mes vidéos direct Twitch classique quand je fais des jeux vidéo. Donc ça m'encourage avec Nayonet à vous faire des tournages en extérieur. J'adabine. Alors j'ai 280 en thunes, je crois que c'est une misère dans le jeu. Vu la taille du compteur, oui c'est misérable. Ah YouTube, j'y pense, j'ai vu aussi que j'avais un intitulé de vidéo que j'ai laissé par défaut. Ce qui veut rien dire en fait. Il faudra que je corrige ça dans la semaine. Il faudra que j'édite la vidéo, que je vous remette le bon jeu que j'avais fait à l'époque. Il faudra que je m'en tienne au nom du fichier d'origine. Excusez-moi, mais exceptionnellement, j'ai complètement merdé mon édition. J'ai dû le faire à l'arrache un soir en fin de journée. Et j'ai bâclé mon boulot. Désolé. Donc je corrigerai le nom de la rediff sur YouTube à l'occasion. Oh, je me souviens plus que j'avais un beau chien. Il est beau comme tout. Putain, je sais plus, j'ai une grotte, je crois que j'ai des arbres sur le côté. J'ai un étang à l'angle inférieur gauche. Il faudra que je lise mon courrier, hein, mais... Oui, bon jeu à vous, je vois les alertes de... Ah oui, il y a cueillette à faire. Voilà. Ah bon, j'ai qu'une seule... On voit plein de fruits dessinés sur le buisson et ça ne donne qu'un seul fruit. Mais non, mais je veux pas... Ah ouais, c'est symbolique. Il y a juste un fruit par buisson. Oh, c'est la misère. C'est la misère. Il y avait le buisson à l'angle, je crois, ouais. Alors, je pense qu'il y en a aux alentours du patelin. Alors, coucou, je sais que tu commences dans le jardinage et je voudrais te donner une petite astuce. La plupart des récoltes ne poussent que durant une seule saison. Quand l'été arrivera, tes récoltes de printemps mourront. Alors, planifie bien l'avance. Granny Evelyn. Oui, ouais, ouais, il y a la gestion des saisons. J'ai des souvenirs de parties faites par des personnes que j'observais. Ah oui, le chien, il a soif, le pauvre. Je vais partir à la cueillette des fruits sauvages, enfin des baies sauvages. Tiens, bam. Ah, les verres, je crois qu'il faut, voilà, faut foutre la houe et on a, ouais, bof. Je sais même pas ce que j'en fais, moi, de ce que je viens d'extraire du sol. Ça sert obligatoirement à quelque chose, hein, mais quoi. Je vais aller en face. Je pense qu'il y a... Ouais, on est en montagne.
Ah oui, je lui ai déjà parlé. On a pris la raison sur chose qui importe. Ok. Tiens, je te donne un fruit. Mais non, je veux pas manger, je veux lui donner un fruit. Comment on fait pour donner un truc? Ah, il faut vraiment se coller à lui. Cadeau formidable, merci. Bon, au moins il apprécie. Ah bah tiens, il avait une. Ça, je sais même plus ce que c'est. Ouais, il y a mine. Il y a des trucs, c'est trop bizarre. À mon avis, je pense que c'est pour plus tard. Il doit y avoir des événements durant les saisons dans le village. Quelle est la part d'événements qui se répètent chaque année et quelle est la part des événements qui sont totalement aléatoires? Là, je peux même pas y aller, c'est pété. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vais aller en sens strictement contraire. Ou là, je traverse le. Putain, là, il y a un chemin, là, il y a un truc à. Oh! J'ai trouvé un bouquin. Tu parles d'une surprise. Ça, on dirait presque un poireau sauvage. Oui, ma vie, c'est un poireau, il vient de me le dire. Reconnais, toi. À chaque fois que je bloque sur un problème technique, je fais une petite promenade. C'est pas idiot. C'est surprenant de voir à quel point un changement de décor peut aider à éclaircir les idées. C'est pas faux. C'est pas faux, ma grande. Je me rue sur les trois petits verres qui sortent du sol. Je n'ai vu que ça sur le bord du. D'ailleurs, je sais pas. Bravo, apprends à viser. Vous savez, on se croirait dans les mauvais films avec les mauvais tireurs. En 1 mètre de la cible, ils arrivent à tracer la silhouette de la cible en face d'eux, rien qu'au flingue avec 6 coups. Là, j'ai fait pareil avec ma houe. J'ai complètement merdé. Ah, c'est qui elle? Oh bonjour, tu fais une petite pause? Je me souviens plus. Je sais plus à qui j'ai parlé. Oh, ça va être dur de le faire en pointillé le jeu. Je crois que oui, je peux fouiller dans les poubelles. Je me souviens, il y avait Olive qui tue que Chalou que j'embrasse. Hein. J'espère qu'elle va bien, Olive qui tue. Elle m'avait traumatisé. Enfin, j'exagère. Mais j'avais été surpris et je rigolais sur le coup quand on faisait notre partie en coop et qu'elle m'initiait au jeu. J'avais eu le message, Olive a été surprise par un habitant de la ville à fouiller les poubelles. Elle m'avait enseigné qu'en fait tu trouves des trucs gratos dans les poubelles, mais il faut pas que les autres te voient le faire. Ce qui est crédible, enfin c'est horrible, mais c'est pas con du tout. C'est pas con du tout. Hop, le personnage là, ouais. Bon, il est évident qu'on ne gagne pas à tous les coups. Là, la fleur, je peux la récolter. Voilà. Il y a plein de monde, mais là, je tiens à récolter les fruits. Je vais pas m'amuser à parler à tout le monde. Non, il n'y a que Puig. Ça mène à. Non, ça mène à rien. Ah! J'ai vu. Ah, je te connais pas, toi. Ce village est si petit, c'est nul. Je dois conduire environ 30 bornes pour acheter des vêtements décents. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de commander en ligne. Ouais. Ouais. Ah! Elle tient bien son rôle de la blonde, elle. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Oula, il y a des choses à faire. Oula, je peux pas passer. C'est la faux qu'il faut que j'utilise. Je me pose la question. Stardew Valley, est-ce qu'il a été joué par Cadeau Anthony? Je vous en parlais tout à l'heure lors de la promenade. Mais... Ah merde, j'ai plus de place dans l'inventaire. Je suis condamné à ramasser les buissons et c'est tout. J'ai pas vu que ma barre était pleine.
Ah, tiens. Faudra que tu poses la question un de ces jours de passage sur sa chaîne à Cadeau Anthony. Ah, lui qui aime bien découvrir les jeux indépendants et les démos. Alors, Colibria est fan de Stardew Valley. Aerostar m'avait mis la puce à l'oreille. Mais Cadeau Anthony. Ah, peut-être qu'il en a entendu parler, qu'il n'a pas eu l'occasion de le planifier dans son calendrier de diffusion Twitch. Et il est peut-être passé à côté du Stardew Valley. Je me demande si le jeu pourrait pas lui plaire. Ah, j'échange avec lui à l'occasion. Et de ce que j'ai compris, pardon. Excusez-moi. Le Stardew Valley cache bien son potentiel en fait. On devrait vivre des aventures folles jour après jour, virtuellement parlant. Mais reste à savoir quoi, enfin lesquelles. Oui, j'allais dire, l'écran devient sombre, c'est normal, la nuit est en train de tomber. Oh! Oh merde, un inventaire plein. Oh, je suis deg. Oui, je vais rentrer. Je vais pas aller plus loin dans la prairie clairsemée en bois là. Je vais foncer rentrer chez moi. Ah, surtout que je crois que j'avais mis le mode monstre de nuit. Je vais me faire exploser par les créatures nocturnes. Ouh là 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 là, j'avais oublié ce paramètre. Ouais, je me suis mis en mode masochiste là. Ça pourrait mal se finir pour moi. Je retrouve vite le chemin de ma propriété. Youps. Attends. Oh, il est où le chemin? Oh! J'ai pas fait les. Ah, oh, merde! Non, c'est trop tentant. Ça va mal se finir. Wow. Alors là, pour faire le tour de tous les buissons, c'est même pas la peine. C'est un rallye en soi, justement. Oui, je crois que c'est la partie basse de mon. Partout. Ah, j'y reste pas. C'est de la matière première gratos offerte par la nature. Oh là là, il y a du boulot. J'ai des arbres à abattre. Ah. Ouais, c'est bon. Je suis saine et sauve, je pourrais dire, puisque j'incarne un perso féminin. Et je range ça. Je vais mettre ça là. Merde, pardon, excusez-moi, je suis en train de m'énerver parce que. Enfin, m'énerver. M'agacer de la. Le coup de la manette avec la souris, c'est pas compatible, je suis court-circuité dans l'action. Alors, télé, normalement j'ai l'info de la météo. Demain il fait. Bon, merde, ça veut dire arroser. Bah tiens, l'arrosoir, je vais le garder sur moi du coup. Le rêve, c'est d'avoir un jour de pluie, y a rien à faire. Ce serait cueillette directe, dès le matin. Oh, trop bien. Ah, cueillette niveau 3, compétence de hache. Oh, un seigneur. Oui, il faudra que je regarde mes ressources, c'est ce que je peux concevoir en établi. Craft en anglais. Assemblage. Oh, bah décidément, même, là, les courriers, si on en a tous les jours, c'est la folie. Bonjour Samantha, c'est Pierre qui m'écrit, je sais plus qui est Pierre. J'espère que tu te sens chez toi dans ta nouvelle maison. Je t'écris pour t'annoncer que le magasin de Pierre vend désormais des engrais. Ah oui, la supérette dans le patelin. Je t'écris pour t'annoncer que le magasin devient des engrais. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'en acheter une douzaine de boîtes? Oui, il faut peut-être que j'ai le fric aussi. Le mec, il croit que je roule sur l'or. Il me voit comme un client potentiel qui a des pépettes. Bah, pas du tout. Je suis pauvre. Sniff, c'est horrible. C'est limite si je fais pas appel à un crédit à la consommation. Ah là, triste époque. Je crois que vous entendez le bruit du bouton quand j'appuie sur la manette. Alors, c'est une nouvelle manette. Hein. C'est pas la détraquée de la fois précédente que j'ai fini par user. Mais comme c'est une manette d'entrée de gamme, j'ai pas cliqué plus de 20 balles. Tant que ça marche, je m'en contente. Du coup, vous entendez un peu le plastoc. Tac, 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 tac.
Enfin, je présume que vous l'entendez. Donc faut pas vous en inquiéter, ce son est normal. Oh non, excusez-moi. Je suis en train de m'endormir. C'est bien, moi je suis détendu. Je suis en train de m'endormir. Ouais, dans une heure, je pense qu'on fera le tableau mystère. Je vais essayer de jouer une semaine complète là dans Stardew Valley, d'atteindre le dimanche suivant, le boucler. Et après, tableau mystère, et puis voilà, j'arrêterai ma diffusion. Je vous ferai la promo envers Nashevman. On ira voir sur Kika. Tiens, j'ai un peu de... Si, j'avais arrosé. Je suis dans l'embarras. Je suis dans l'embarras. Parce que je me dis des pommes de terre. Est-ce que je peux les échanger contre des graines? Histoire de miser sur la fin de saison. Parle de pommes de terre, je vais avoir que quick. On va aller voir. C'est qui tente rien à rien, mais y a même des fruits là. Ah oui, c'est le bus en panne, c'est vrai. J'avais oublié le bus en PLS, si je puis dire. De voir une zone de prairie avec un bus à l'arrêt comme ça sur une petite route, je peux pas m'empêcher de penser à un épisode d'un animé manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Kindaishi. Kindaishi est un célèbre qui existait en vrai, hein. C'est un vrai nom japonais. C'est un enquêteur, un inspecteur japonais. C'est un peu le Sherlock Holmes japonais, en fait, voilà. On peut le résumer ainsi. Et il y a une série animée qui existe, Les Enquêtes de Kindaishi, qui avait été partiellement traduite en français. Ah, il y a une scénette. Attendez. Bienvenue chez Pierre, je peux t'aider? Oui, voilà, je me souvenais de son magasin. Qu'est-ce qui se passe? C'est une prise d'otage. C'est qui le mec en noir? Ahem, Maurice. Fume des clopes, Maurice. Parle mal. Venez, entrez tout le monde. Nous offrons un rabais de 50% sur vos achats chez Jojamart. Eh oui, c'est un salopard, le mec. C'est l'exploitant de la supérette. Oui, j'ai dit supérette tout à l'heure, j'ai tort. Ici, c'est un primeur. Lui, c'est le primeur du village historique. Et lui, c'est le nouveau avec la... Voilà, l'autre, il s'étrangle. Il s'étrangle. Eh bien, les preneurs. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Concurrence déloyale, c'est honteux. Bouh. Mais je peux pas faire ce genre d'offre. Je vendrai à perte. Le pauvre Pierre qui est dépité. Oh, l'autre, il vient le narguer. Ça doit être si difficile pour toi de perdre ta fidèle clientèle. Mais tu peux vraiment leur en vouloir. Joja Corporation est clairement le meilleur choix. Bientôt, toute la ville le réalisera. Oh, le monstre. Aïe, 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 aïe. Là, Samantha, elle aurait dû le gifler. Ça aurait été trop bien comme scène. Violence gratuite, c'est horrible. Ah, ça vaut combien, des trucs que j'ai cueillis? Autant les vendre. Eh, ça vaut de la tunasse. Il faudrait peut-être que je revende le gain de ma cueillette. Ça vaut de la tunasse. Alors attendez, 6 jours, ouais. Parce que il y a le coup des saisons, mais comme je suis que dans la deuxième semaine sur 4 de la saison en cours, je peux acheter ça et planter. Donc je vais planter ça dans mes champs. Et du coup, je vais pouvoir... Putain, il faut que je pense à vendre le gain de ma cueillette, moi. Parce que les framboises ou les baies sauvages, là, que je cueille, je peux rien en faire dans l'immédiat. J'ai rien pour... Il n'y a pas de recette à base de framboises. Je peux pas faire de confiture, j'ai pas les moyens d'acheter du sucre. Donc c'est foutu, il faut que je vende le fruit brut. Oh le bordel. Ouais tant pis le... Pff. Oui, c'est vrai qu'il y a la notion de...
plaisir de corbeau. Entre autres, il y a la notion d'épouvantail. Ouais. Il faut surtout pas que je sois trop loin de l'épouvantail, sinon je vais me faire bouffer ma récolte par les piafs ou autres animaux sauvages, allez savoir. C'est là où on va tomber sur un ours. Ou des sangliers, tiens. Oh, je me demande s'il y a programmé les meutes de sangliers qui retombent complètement le champ de nuit ou au petit matin. Trop les boules. Ce serait vachement cohérent s'il programme ça. Je suis tenté d'aller vendre ma récolte. Ah ouais, mais je n'aurais pas assez la place dans le... Faut que je fasse des choix, je peux pas tout vendre. Attends, ce que j'ai en nombre, je le vends. Et tout ce que j'ai en quantité modeste, je le garde. Je vais aller revoir Pierre, ça va le réconforter. Je vais lui vendre de la marchandise. Alors, Dragon Sky, tu m'écris... J'ai eu un problème d'achat avec Steam et Pay Safecard. J'ai acheté Tezo. Ah bah ça va faire plaisir à toute la bande que tu nous rejoignes. À 6€, mon service de paiement a validé, mais du côté de Steam, il y a eu un problème technique. Alors ça, c'est pas cool. Quoi? Pardon, excuse-moi. Lewis, place, c'est simplement tout ce que vous voulez vendre dans la boîte d'expédition à côté de votre maison. C'est vrai, il a raison. Je serais curieux de voir quelle chose... Ah, l'autre, il veut m'espionner. Ah, bonjour, toi. Je suis pas de bonne humeur en ce moment. Oh. Euh, 200 seulement. Oh bah, ça donne pas envie de faire de la cueillette. Hein. J'ai pas envie d'aller chercher les baies, hein, parce que, dis donc, ça rapporte que puic. Oui, alors Dragon Sky, ça fait longtemps qu'on m'a pas exposé ou que moi-même je me suis retrouvé avec un souci de paiement sur Steam. Donc toi de ton côté, ta banque, ça marche, mais du côté de Steam, il y a un problème technique. Alors peut-être ils sont trop sollicités et ils sont sur les genoux, Steam. Je sais pas trop quoi te conseiller, Dragon Sky. C'est sûr que c'est chiant. Toujours, oui, je sais que la dénigre, la plateforme. Il y a souvent des problèmes. Toujours, c'est exagéré, mais je sais que tu la supportes pas. Peut-être, ouais, c'est vrai qu'on est en début des soldes de Steam. Donc je... Ah, puis attends, on est dimanche. On est le premier dimanche des soldes de Steam. Je pense que Alors attends, j'ai envoyé un mail à Steam et PSA, j'attends leur réponse dans la semaine prochaine pour faire une demande de remboursement intégral. Ouais, ouais. Ouais, bah tu nous tiendras au courant, Dragon Sky, si je peux t'aider après en semaine, n'hésite pas. Mais non, c'est parce qu'on est le premier dimanche des soldes, des grosses soldes sur la plateforme. Donc ils saturent. Il doit y avoir des millions, je sais plus combien en moyenne, je crois qu'il y a 30 millions de joueurs connectés à travers le monde sur Steam constamment. Et potentiellement, il y en a 30 millions qui sont en train de faire leurs achats, tu vois. Donc les serveurs, ils fument. Mais bon. Attends, il est 13h. Alors je suis épuisé, mais je vais pas aller me pioter. Je vais peut-être continuer à faire la cueillette des. Je vais essayer, même si c'est pas super encourageant. Ah, il y avait des oignons. Il y avait des oignons sauvages là qui étaient vers le bas, tout en bas de la carte. Il faudrait que j'essaye de les choper, ils valent sûrement plus cher que les framboises. Normalement, ils me répondent dans les 3 jours pour me dire comment faire, le remboursement sera fait, ouais, ouais. Ouais, mais c'est sûr que c'est le genre d'expérience qui est pas top, quoi. C'est frustrant, ouais. On est de tout cœur avec toi, hein, Dragon Sky. Enfin, moi, du moins. N'hésite pas, voilà. Mais là, dans l'immédiat, à part ce que je viens de dire, je vois pas ce que je peux... Ce que je pourrais te dire pour te conseiller, il est urgent d'attendre hein, dans ton cas, c'est bien que t'aies fait le mail. Bah oui, voilà, ouais, c'est frustrant comme expérience, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Aïe aïe aïe. À la limite, ce que tu peux éventuellement faire si tu as la chance d'avoir des sous-sous en réserve, je crois, alors attention, je parle au conditionnel, je crois savoir que là, le jeu que tu convoites qui est Tezos et Elder Scrolls Online,
Je crois qu'en dehors de Steam, tu peux l'acheter sur le site officiel. À voir, à vérifier. Ça, c'est abandonné. Ok. Le pire, ça m'est déjà arrivé sur mon ancien compte Steam qui s'était fait pirater. Ouais, c'est dur. C'est dur. Si j'ai pas de bêtises à voir. Alors, c'est dommage que Nash soit pas là parce qu'il prépare son direct de ce soir sur sa première sur Kick. Mais Nash aurait pu nous guider, je pense, pour un achat sur le site officiel. Je crois qu'il y a moyen que tu achètes ta copie du jeu. Ah oui, mais non, mais non, mais non, mais je te comprends. Steam, c'est parce qu'il y a les soldes. Je suis un abruti, laisse tomber, oublie ce que je viens de dire. On met ça sur le dos de la fatigue. C'est vrai que tu n'aurais aucun intérêt. À moins que. Tu peux toujours vérifier. Est-ce que le site officiel fait des soldes encore plus généreuses que Steam? Mais je pense pas. Je pense pas qu'il vendrait à perte. Tu peux toujours vérifier, mais. Mais le site officiel, c'est pas les mêmes tarifs malgré les soldes. Bah, tu peux toujours jeter un coup d'œil, mais c'est vrai que après raisonnement, je pars pessimiste. Je pense que Steam peut justement outrageusement tirer les prix bien vers le bas, alors que les éditeurs originaux, eux, non, ils ont besoin de d'avoir une bonne rémunération. Donc, je me trompe peut-être, hein, mais je pars pessimiste. Voilà. Oui, alors attends, j'ai cueilli les. Ah oui, mais c'est tard. Je vais partir au magasin. Il va fermer à 18h le l'épicier, on va l'appeler comme ça. J'ai failli dire le garde-barrière. Aucun rapport. Eh, je suis pas allé par là-bas, moi, je crois. Ah, il y a des fruits par là. Ça va, j'ai encore le temps. Tant qu'il n'est pas 20h, je reviens pas sur la propriété. Putain, la vache. Oh là là, voyage, voyage. Ça va loin, on peut se perdre, c'est pas possible. Stardew Valley est plus grand qu'on pourrait le croire. Non, là, il n'y a plus rien. Tac, 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 tac. Pa, 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 pa. J'ai pas fait l'angle A, je crois. Ouais, je n'ai pas fait cet angle. Merde aux mains. Évidemment, le fruit se barre du côté opposé d'où je me trouve. C'est tellement rigolo que je cours après. Ah ah ah. Non, il n'y a plus rien. Appuyez. 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 Bon, bah, je rentre au bercail. 22 fruits sauvages. Eh bah, dis donc. 22 fruits sauvages. C'était vers le haut, je crois, à partir de là. Ah! Toujours cette prix du Reforce Sauvage. Voilà. Ouais, c'est bien, j'ai pris mes repères géographiques, à peu près. À peu près, à peu près. Là, je vais retrouver mon chemin, normalement. En pierre, nickel. Ouais, il faudra que je continue à faire l'aménagement de ma propriété. Pardon. Oh, excusez-moi. Il fallait que ça sorte, comme on dit. Merde, Oum. Oh, je fais des bêtises. Il me faut, j'anticipe, il me faut l'arrosoir pour le lendemain matin. Sauf si par miracle, il y a de la flotte. Ouais, je vais dormir. Oui, à mes souhaits, pardon, Christella. Tac, 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 tac. Ah! Mais oui, non, mais un jour, un courrier! Samantha! Alors, est-ce que tu te fais bien à ta nouvelle vie? Je ne m'habitue pas encore à l'idée que tu es adulte maintenant. Ah! Elle a quitté le foyer parental. Le temps passe si vite, ouais. Ne m'en parle pas. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai de l'argent en trop. Alors, tranquille, je te l'envoie en petit cadeau, je t'aime, papa. Oh, c'est mignon! 500 pièces d'or, ouh. Les 500 pièces d'or vont pas. Oh oui, c'est pas perdu. C'est. Ah si, c'est mûr. Putain, mais en plus, j'ai pas fait exprès. J'ai sorti la faux. Oh, c'est bon ça. Ça sent la tunasse. Oh, c'est beau. Trop
trop bien. J'avais planté des tulipes. Waouh, il y a plus de couleurs qu'il y en a dans Minecraft. Trop stylé. 6h30 du mat, non, il est trop tôt pour aller au magasin. Je crois qu'il ouvre à 9h ou à 10h le prout. Le primeur. Et je sens que je vais faire une semaine vachement rentable. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de thunes. Je vais pouvoir m'acheter un max de graines et je vais étendre mes champs de. Le problème, c'est que je vais m'épuiser après à arroser. C'est délicat. Il faudrait que je trouve. Ah oui, mon pauvre chien. J'ai peut-être oublié de lui donner de la flotte hier, je sais plus. C'est un berger allemand que j'ai dû choisir. Il est beau. Il est beau. Ah là là. C'est bien, s'il y a des monstres, il va me protéger lui. ouais, faut que j'arrose ça aussi. Bon app, oui, bon app pour ceux qui partent dîner. A tout à l'heure, fun fan. Ouais, 19h des louettes. Moi, je vais savourer une bonne salade ce soir. Faut que je mange léger. J'ai pas envie d'avoir un truc sur le bidon, surtout pour la reprise demain. j'allais arroser les tulipes alors qu'il me reste à les cueillir, mais j'ai plus de place. Alors attends, je vais re-remplir mon arrosoir là, je fais n'importe quoi, je fais mon taux d'inspection bidon. Ah oui, tu passes en. Ouais, tu passes sur le téléphone. Tu fais bien. Tu fais bien, tu fais bien. Ça sent bon la tuna. Ça, putain, j'ai même pas. Ah, sur le retour, il faudra que je prenne les ressources qui sont offertes par Mère Nature ici même. Tac, 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 tac. Merde! Ah, je vais pas aller chez l'autre nonard, là, de la supérette. Non, bah non. Non, je le vois, lui, le vilain, je le gifle. Merde! Ah, bah, faut que je range dans mes coffres. J'ai un coffre à l'extérieur, je sais plus ce que j'ai dedans. Je reviendrai ici rafler le. Puis il faut que je refasse une tournée de cueillette. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la cueillette toute la semaine. Oh putain, j'en ai même ici. Non, attendez. Ah, mais j'ai de l'engrais. Je vais le garder sous la main. Je vais jouer la prudence. Je vais garder sous la main mon engrais. Et en joker, on sait jamais s'il y a une récolte qui se passe mal ou je sais pas si en je peux accélérer la pousse des végétaux si je me rends compte que j'ai merdé mes jours calendaires au niveau de la saison. Parce que si j'ai bien compris dans ce qui suggère de la. On va aller en cueillette. Hein, des saisons. Arrivé à le dernier jour de la saison, si j'ai pas de récolte à faire et que j'ai encore des végétaux ou je m'attends qu'ils donnent le lendemain de la récolte, ils le feront pas parce qu'en passant d'une saison à une autre, je perds tout. C'est cruel, mais visiblement, la mécanique de jeu est intraitable. Il est 10h du mat dans le jeu, il faut pas que je me perde. Bien sympa, je l'entends légèrement. J'ai baissé le son de mon téléviseur pour que vous n'ayez pas d'écho. Mais le peu que j'entends de mélodie, c'est sympatoche.
Tous les jours, ça repousse les oignons sauvages. Un oignon nouveau, là. C'est pas croyable. Je crois que j'ai des quêtes. Ouais, j'ai le point d'exclamation jaune qui clignote là à droite. Faudrait que je regarde si je peux faire honneur mais pas la semaine de la cueillette parce que. Bonjour le baron, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est qui elle, je sais plus. Léa. Ce matin, j'ai accidentellement écrasé un insecte. Oula. Voilà. C'est une très grande sensible pro-naturelle. Chiche, je fais le pari que Léa est une végétarienne. Au niveau de la sensibilité de ce qu'elle vient de déclarer. Je pense que ça colle au personnage. Impeccable et toi? Ouais, ça va. J'ai un petit peu de fatigue à cette heure-ci. Mais légère, hein. Soyez rassurés. J'ai entre guillemets plus qu'une heure, trois quarts d'heure à tenir en direct. Et même si j'ai plein de bricoles à faire derrière. Pour ma soirée. Mais oui, ça va. Je suis bien. Merci de poser la question, le baron. Enfin, de me retourner la question. Non, allez, j'arrête d'aller là. Il est 14h. Je vais pouvoir faire la partie haute du village, dis donc. Je vais pouvoir faire la partie haute. Oh, alors, le chien, ça flotte. Voilà. C'est bien, il garde la grotte. Il est rigolo, le chien. Tac, 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 tac. Je pense avoir... Je dois avoir mémorisé les chemins en tête. Je sais qu'il y a une carte dans le menu au pire. Ça, c'est pour plus tard, je pense. On dirait un éboli qui va être dégagé au bulldozer. Ah oui, lui, il avait des... Je l'ai dépouillé du buisson qui est à côté de sa tente. Et je vais lui donner un fruit, il va être content. Oui, c'est un cadeau formidable. Je vais être super pote avec le mec, rien qu'en lui donnant des baies sauvages. Non, il n'y a rien là. Enfin, c'est pas riche. Je vais pas aller par là. Parce qu'en plus, le pont, il est pété à l'extrémité. Merde, je crois qu'il y avait un chemin vers le bas. Attends, il y a un truc qui va là. Ah non, j'ai pas tout mais... Attends. Oui, j'ai pas tout mémorisé. Ok, alors non, s'il y a des îlots comme ça, c'est pour la pêche. Vous pouvez être certain qu'il y a un intérêt particulier à pêcher à cet endroit. Sinon, ce serait pas... Tiens, c'est qui, lui? Démétrius. Ah merde, je lui ai donné... c'est pas grave. Tu as déjà offert... Ah merde, oui, il faut que j'ai rien dans les mains pour le... Ou un outil, ouais, pour lui parler. Tu récoltes probablement beaucoup de plantes intéressantes sur ta ferme, non? Peut-être que je passerai chez toi un jour pour voir tout ça. Mais avec plaisir! Les portes sont grandes ouvertes. Attends, je vais reprendre les baies comme sélection par défaut parce que si je prends la pioche en main et que je donne un coup de pioche là où il faut pas, je m'en voudrais. Je vais éviter d'être dangereux et maladroit. Ah, oh, ah, il y a la miss. Bah tiens, prends-en une. Oh, c'est pour moi, je vais mettre ça ici. Oula, il me fait la gueule. Ok, merci. Ah, une mince. Mardi et jeudi, je travaille à la clinique de Harvey. La clinique de Harvey, oui. Il me dit qu'il aime bien m'avoir dans les parages au cas où son matos médical tomberait en panne. L'agriculture doit être un métier assez facile, non? Eh ben, tu viendras labourer. Méchant, ma grande! Je veux même plus poursuivre cette conversation. Chacun son métier, nonasse. Ça me parle très mal. Oh, il y a des baies partout. Viens faire Jojo. Ah non, ça marche pas. Non, je voulais me balancer sur le truc. Ah, c'est dommage, ça fonctionne pas. C'est le
retour à... Ouais, c'est le retour à chez moi, ça. Et j'ai fait le bus... Non, j'ai pas fait le bus. Oui, mais j'ai plus de place. Putain, c'est fou, ça. Et il me reste de l'énergie, par contre. Il me reste de l'énergie et un peu de temps, donc je vais sûrement faire du bûcheron. Bûcheronnage. Dans mon exploitation agricole. Parce qu'on a vu qu'en bas, j'avais beaucoup de... Ah merde! Ah maintenant je peux pas faire les trois verres là. J'ai plus de place. Ah bah tiens, je vais vendre comme ça. Mais oui. C'est ça le bac de vente. Non, ça c'est, je crois que c'est une matière première. La fibre végétale, c'est comme dans Starbound. C'est... Ah bah oui, tiens. Oh, je vais peut-être les garder. Oh, je les garde ou je les vends? Non, j'ai besoin de thunes. J'ai besoin de thunes. Je vais les vendre. Tant pis. Peut-être que je commets une grave erreur stratégique. Mais je préfère avoir de la thunasse d'entrée de jeu. Et quitte à corriger mes erreurs l'année suivante à la bonne saison. Et puis, c'est vrai que c'est horrible, hein, mais j'ai besoin de fric pour démarrer mon exploitation agricole. Donc là, pareil. Je vais bourrer le coffre. Ah bah tiens, je vais tellement le bourrer que... Ah bah c'est bien, j'ai 139 de fibres ici. Je vais tellement bien le bourrer que... Oh merde! Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Bah, c'est pas encore la nuit! Non, mais c'est dégueulasse! Merde, j'ai bousillé mon chemin avec cette nunuche. Bah, c'est la nuit, les ennemis, attends... Merde! Mais je fais d'énormes bêtises. Bon, alors attends, je vends mes trucs, je vide mes... Vite, elle va me buter. Panique on board. Oui, ça je récupère, je le remets en place. Je sais plus, il était là, je crois. Mais saleté de cochonnerie de saleté. Bah, mon bûcheronnage, je l'ai dans le baba. Non, mais ah, non, mais elle va me buter. Je vais me barrer, je suis deg. Je remets mon. Oula. Putain, ce jeu d'esquive de fou. Oula, il y en a une deuxième qui arrive. Oh, c'est dégueulasse. Merde! Mais non, mais le chien, laisse-moi éteindre mon lit! Je veux pas interagir avec la télé! Mais il est con ce clébard! Mais laisse-moi aller au pieu! Je peux pas éteindre mon lit! Ah oui, allez, hop, je déplace tout parce que. Allez, là je peux. Non, je peux même pas interagir avec le lit. Bon bah, je déplace le lit. Attends, je vais le mettre en position centrale, comme ça il va arrêter de me les briser. Merci! Allez, hop! Oh! Alors, agriculture 3, compétences arrosage et ou en plus. D'une ruche! Oh, trop mimi! Engrais croissance rapide et... Ah, recette de cuisine, le déjeuner du fermier. Oui! Oh là, ça va être la... Oh, j'aime beaucoup les chiffres! Oh là là, je vais faire des achats! Je vais faire des achats! On va inaugurer un énorme champ de patates. Oh, j'ai 5000. Ah, j'ai pas de courrier. Oh, c'est beau. Des ignats bleus. Oh. Oh, je suis déjà plein dans l'inventaire. Comment je... Bah, ah oui, c'était la touche, là. Il y a beaucoup de variantes de teintes de bleu. Ils abusent. Bah, il faut pas faire des champs de cette plante sur 15 km de long, parce que dis donc. Il te fait tellement de. Il te fait 50 nuances de. Pas de gris, mais de bleu. Ah, mais je vais rouer. Rouler sur l'or. Attends, je vais prendre le. Oui, récolte. Oui, oh, c'est bon. Eh ben, je crois que j'ai une bonne rentabilité, les copains. Je vends les 11 pommes de terre, vlan, dans tes dents. Il y a des jolis fruits qui sont là. Il faut que je pense à acheter les graines. Je vais pas anticiper le fait de labourer les champs. Comment je fais? Attends, le... je suis sûr que le primeur il ouvre que dans 1h30, voire plus. Je vais essayer de récolter. Ouais, de faire un petit tour du village pour récolter les baies.
Je viens peut-être même aux abords de ma propriété que je sais même pas. C'est vrai que je suis pas allé voir. Oh, je pense pas avoir 50 buissons de baies sauvages. J'y crois pas. Je me souviens qu'il y avait pas mal d'arbres et puis il y avait mes points d'eau. Attends, c'était où qu'il y avait des... Merde, je commence à douter. Non, celui-là, il a pas redonné. Il a pas redonné. Ouais. Ah merde, d'accord. C'est... Attends, oh là, j'ai du mal. Le chemin vers le bas, il est... Ouais, il est là. Ah oui, c'est là où il y a le fameux centre communautaire, normalement. Et je dois avoir... Là, je finissais par désespérer de pas trouver un buisson fruité. Attends, je suis où? Il y a le centre communautaire, la fontaine. Oui, il y a le parc pour enfants. Voilà. Il y a encore un truc qui est là. Oh, je peux faire de la balançoire. Je voulais tester, c'est rigolo. Un pauvre dans la balançoire. Trop stylé. Elle retombe en enfance, la miss. C'est trop mimi. Ah, 10h. Dites-moi qu'il est ouvert. Pierre, j'ai du fric. On est riche. non, je vais le faire à la souris, ce sera plus facile. Alors, des graines. Ouh, chou-fleur, c'est trop tard. 2 jours. Pomme de terre, non, mais je vais vraiment faire dans la pomme de terre. Chou frisé. Ah, chou frisé, 6 jours. Récolté à la faux. Je suis fou, j'investis. Oh, j'en ai pas mal. J'en ai même peut-être trop. Parce que ça va me bouffer mon endurance. 70 plants de choux à arroser. Elle va crever, la miss. Elle va être morte avant même... Ah oui, mais je peux manger des trucs, c'est vrai. Eh ben, je vais manger... Mais c'est ça! Il faut que je garde quelques baies rouges. Quelques baies sauvages, vous savez quoi? Pour les manger et me doper. Pour que je retrouve de l'énergie. On va en faire l'expérience maintenant. Dans cette journée virtuelle. J'ai plus rien là. Ah, dommage. Ah, il y a les 3 verres de mes 2 là. Ah, cool. Toujours ça de prix. Je prends. Alors, attendez. Pourquoi j'ai pas mis la torche? Qu'est-ce que... C'est bizarre ce que j'ai foutu... ce que j'ai fait, pardon, je parle mal. Ce que j'ai fait... À ma... J'espère que j'ai pas vu la chauve-souris. Ah non, c'est un papillon. Je commençais à tiquer, là. Je me dis, merde, si la chauve-souris, elle est là... C'est pas comme s'il était midi, il y a un problème. Bizarre. Le baron, tu dis... Désolé, j'étais en train de faire mon planning de la semaine. Et c'est tant mieux, Fun si tout va bien. Oui, non, il n'y a pas de souci. C'est pas grave si tu mets une demi-heure, une heure à répondre. Ça arrive à tout le monde, ça peut pas s'en faire, le baron. Je sais plus. Oui. Je peux encore en planter 7. Ouais, bah, je vais les mettre là. Allez, très bien. Alors, l'arrosage. L'arrosage va me bouffer. Bah tiens, si j'arrose là où il faut pas. L'arrosage va me... Oui, d'ailleurs, mon plan, il doit être un peu loin de la... C'est pas dit qu'il soit sous l'effet de l'épouvantail. Là, mon plan en haut à gauche, il va se faire bouffer, je le sens. Je vais pas arriver à maturité que mon truc va se faire bouffer par l'animal. Encore que, non, il y a celui-là qui est plus proche. On verra. On verra, mais il faut que je fasse gaffe.
Non, ça va. Pour le moment, ça va. La miss, elle tient le rythme à arroser. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Pourquoi t'aboies? T'as vu une chauve-souris? Avant que j'oublie, j'ai fait sa gamelle au chien. Oui, j'ai fait sa gamelle. Bah, il me reste plus que ça, Rosé. Oh oui, ça devrait le faire. Ah, attends, je m'exécute dans la tâche. Et je vais manger, justement, comme j'en ai qu'une. Je vais manger une baie sauvage et je vais voir combien ça me rapporte en gain d'énergie. Voir si ça me donne vraiment ou s'il faut que j'en croque plusieurs. Et ouais, là. Alors, la prochaine récolte de ça, ce sera pas cette semaine. Enfin, ce sera pas cette semaine virtuelle et ce sera pas cette semaine réelle. Je me comprends. Je pense que la prochaine partie de Stardew Valley, je vais peut-être inaugurer les arroseurs automatiques. Je sais pas si je peux les acheter ou si je dois les fabriquer moi-même. Mais il faudra que je regarde dans mon merced de fabrique là. J'en déverrouille pas mal. Bon, je suis au début, c'est normal, vous me direz. Mais ouais, on va boucler jeudi. Il reste vendredi, samedi, dimanche. Ah, on est déjà à plus de la moitié de la partie là. Il est 19h30. Ouais, c'est bien, on enchaîne. Ouais, je pense qu'on va enchaîner le tableau mystère peu avant 20h. C'est très bien. Voilà, alors là je mange le truc, il se passe quoi? Voilà, manger des saumons. Ouais, ça c'est un poireau. Même le poireau, apparemment, il m'a donné plus d'énergie que la baie sauvage. Ok. Bon, je l'admets, ça nourrit pas tant que ça, mais... finalement, je vais me garder quelques baies. Je vais me garder quelques baies parce que la cueillette, elle va pas être éternelle. Je pense que c'est la semaine là. Et ce serait bien que je me garde du dopage naturel pour les prochaines semaines. Et si j'ai un coup de mou au niveau de l'énergie, il faudrait pas que je meure comme un caca. Et que je me retrouve à la clinique locale à être dépouillé de tous mes biens à cause d'une facture indécente de soins. Heures 30, il faut que je regarde. J'espère que je vais pas tomber sur une chauve-souris avant les 20h. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais je sais pas si ma santé est revenue intégralement lors de ma nuitée précédente. Oula, alors que j'ai une démangeaison. Ah, démangeaison à la jambe. Pardon. Ah, j'ai vu des fruits. Free, shit, you're free. C'est assez cyclique, répétitif. En général, j'aime bien, mais là, ça commence à me peser. Parce qu'il n'y a pas assez, d'événements aléatoires qui se greffent à la boucle. C'est vraiment trop redondant. Là, j'aurais été bien content de tomber sur des villageois qui me racontent tout et n'importe quoi, histoire de casser la routine. Mais visiblement, il n'y a plus personne.
Ah, bah tiens. En fait, il y a beaucoup de nourriture à l'état sauvage dans le coin si tu sais où chercher. Bah oui, c'est ce que je constate. Je mange de la salade fraîche presque tous les jours. Elle est végétarienne. Popopi, palé, palé, pou. Non, j'ai cru que c'était un fruit, mais c'est pas possible. C'est pas un buisson. Donc c'était autre chose. 20h30, où la gare? Où je vais me manger une chauve-souris. Oh, quelle horreur! Mon Dieu, il y a des zombies qui sortent du sol. Ouah, c'est quoi ce truc à la Resident Evil? Ou pire. Ouah, il m'a surpris le machin. Oh, magnifique. Niveau supérieur, agriculture 4. Arrosage plus 1. Ou plus 1. Nouvelle recette de fabrication. Clôture de fer. Oh la vache. Ah, recette de fabrication, je peux faire des bocaux. Et en chimie, sol de rétention basique. Ah oui, ça évite d'arroser. Ça, oui, je pense que tu fais un arrosage, ça compte pour 2 jours et puis pas. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant la formule de rétention. Et rendre le sol imperméable. Ça me plaît bien. Joie, il pleut. J'ai pas arrosé. Samantha, j'ai une requête pour toi. J'ai besoin de choux-fleurs frais pour une recette que je veux faire. Peux-tu m'en apporter un? Non. J'accepte la quête, mais je pourrais pas. À moins que. Il me reste. Non, 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 il me reste pas de choux-fleurs. Non, 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 j'ai pas de choux-fleurs. Je crois pas en avoir dans les coffres, puisque j'ai vendu à mort. Non, c'est pas un chou-fleur, c'est pas un chou-fleur, j'ai pas de chou-fleur. C'est archi mort. C'est cyclique. Je vais aller. À moins que j'ai une quête intéressante dans le point d'exclamation, mais. L'hache perdue de Robin. Ah, j'avais fini. Robin a perdu sa hache préférée la dernière fois qu'elle se souvient d'avoir utilisé. Coupé du bois au sud, d'orange, marmite. Oui, j'ai gagné. J'ai de la thune, c'est cool. La requête de jeudi. Oui, le chou-fleur. Oui, non, bah non. Le chou-fleur, c'est foutu. Alors, là, je suis sur mon terrain et il y a plein de merde. Et visiblement, il n'y a pas de buisson avec des framboises. Enfin, des baies sauvages. Non, il n'y a rien. Ça sert à rien. Faut que je me barre. Vache, ils sont encore là, elles sont chiantes les hautes herbes. Faut que je me barre. Voilà. Et encore. Ah, il y a peut-être plus de baies. Ah, l'arrivée de la pluie a peut-être cassé la. Je crois que les buissons ne donnent plus rien. Fini. A plus. Donc c'est pas. C'est bizarre. Je suis pas. Oh! C'est un marchand itinérant lui. Oui, bien sûr, je vais acheter un crabe 1000 balles, bien sûr. Ah, des cornichons en bocaux! Toi qui en parlais tout à l'heure, Christella. Poisson globe, je vois pas ce que je vais en faire, c'est un poison. Oui, bah tiens. Moins 100 en énergie. Je veux tuer quelqu'un! Je prends le poisson globe! Et je lui fous dans sa bouffe. C'est horrible. Et je sais pas, il y a peut-être moyen de commettre des meurtres. Graines rares. À semer en automne. Oui, mais c'est pas maintenant. Besoin de tout. Quoi? Besoin de toute une saison pour pousser. Oui, bien sûr. Alors là, le jeu est en train de me guaquer. Alors c'est bien, ça casse la routine. Mais je sais plus quoi faire. J'ai pas de fruits à cueillir. Enfin, j'ai pas de cueillette à faire. J'ai. Tout est arrosé. Est-ce que je vais faire la causette aux gens dans le village? Pourquoi pas? Je peux faire du social. Je peux faire du social. Je peux faire quoi? Ah, mais non, mais si, je vais avoir un chou-fleur. Ça, c'est un chou-fleur. Ah, finalement. J'ai rien dit. Je vais pouvoir honorer la quête.
Eh bah oui, que je suis bête. Je vais faire de l'assemblage, du bricolage. Je vais faire du bricolage. On fait comment pour le bricolage? Attends, start, j'ai pas. Oui, si, j'ai le menu. Compétences. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Oula, je suis un petit cœur Robin. Linus, je l'ai gâté, mais il n'y a pas de cœur. Il va se faire voir. C'est tout. On voit que c'est le début. Vache, il y a des. Attends, c'est quoi les points de progression en bas? C'est... Ah oui, je connais pas. Je connais pas les vieux et je connais pas le rocker. Ah, je pars à la rencontre de Bill Collitz. C'est le plan. Ok. Et merde, j'ai fermé le truc. Voilà, artisanat. Bonjour, Matei, parce que je vois que le Waze est en doublon. Matei. Bonjour, je viens de vivre extrêmement drôle. J'ai un film d'horreur en pub et j'ai le son de ton stream à la place de la pub, c'est parfait. Attendez, pardon, excusez-moi. Bonjour, et bienvenue. Je viens de vivre extrêmement drôle. J'ai un film d'horreur en pub et j'ai le son de ton stream à la place de la pub. Ah, tu as l'image. Ah oui, alors moi, c'est un bug qui m'arrive sur Linux. Quand je regarde Twitch sur le système Linux, tu as eu, oui, l'image de la pub du film d'horreur, mais tu avais mon son à moi et pas celui de la pub. Effectivement, ça doit être une expérience étrange à vivre. Mais bonjour et bienvenue, merci du témoignage, Mathieu. Oui, c'est rigolo. Ça devait être en décalage complètement délirant. Effectivement, je conçois. Alors, clôture en bois, clôture en pierre. Mais je vais rien clôturer. Portail. Avec le peu que j'ai fait de ma propriété, c'est pas maintenant que je vais faire des champs de... Je suis pas assez riche pour avoir un champ de carottes, un champ de pommes de terre, un champ de je sais pas quoi. C'est pas encore pour maintenant. Épouvantail. Putain, il faut du bois. Waouh. Enfin, peut-être que je bûcheronne, là. Empêche les corbeaux, ouais, c'est ça. Ah, 8 carreaux environ. Ça recommence, mais avec le son cette fois. Ah, désolé, merde, donc il tape la pub. C'est des choses qui arrivent. Ah, la ruche, sirop d'érable. Lingot de fer, bien sûr. C'est pas pour maintenant. Les pancartes. Oh, machine à maillot. Cristal de terre. Transforme les œufs en mayonnaise. J'ai pas d'eau. Bocal. Alors, transforme les légumes et les... En cornichons et les fruits en confiture. Ah, le bocal pourrait m'intéresser. Si je peux transformer mes framboises en confiture de framboises, à mon avis, ça va être la tudasse. Un seigneur. Placez-le sur un érable, un chêne ou un pin et attendez que le réservoir se remplisse. Oui, c'est pour récolter la sève. Ah, l'arroseur. Je veux ça. 4 carreaux. Putain, ça va pas loin. Cuivre, fer, mais j'ai pas de lingots. Ah, il faut peut-être que j'aille voir le forgeron de la ville. Il y a un forgeron quelque part. Engrais, sève, améliore un peu de la qualité du sol. Ouais, à mélanger avec le sol élaboré. Oui, la sève, c'est quand j'abats des arbres que j'aurai de l'engrais. Rétention. Oh, ils ont mal traduit. Ils ont gardé basique en anglais. Ils ont pas mis basique en français. Enfin, c'est pas grave, on a pigé. Pierre, ce sol a une chance. Ah, juste en pierre! Une chance de rester irrigué pendant la nuit à mélanger dans un sol labouré. Oh! Il va falloir que je récolte des cailloux, moi. Engrais. Alors, une palourde avec du boudron de pin, stimule de la poussée des feuilles. C'est bon, je suis en automne, moi. Ah oui, tu joues de ton côté, t'es à la saison automnale. Ben, je débute, hein. Voilà, printemps, pouf, direct, deuxième semaine. Petite bombe. Oui, attention, hein, ne pas me divulgâcher, s'il vous plaît. Parce que je découvre, donc je veux pas me faire casser le scénario. Graines sauvages, ok. Casse-croûte, blanc, graines, pommes de pin. Ça doit être pas mal. Ouais, plus 20 santé, plus 15. Ok. 45 énergie. Chemin de bois, ouais, c'est pour la déco, ça. Chemin de pavé. Alors, le bocal m'intéressait. Bois, pierre, charbon. Je sais même plus ce que j'ai. J'ai 10 000 pièces d'or, donc pas mal. Je vais pas tarder à atteindre mes 10 000 pièces d'or. Espoir.
J'ai... Ah si, j'ai de la pierre. Ils ont mis du charbon, ils ont mis du bois, je crois. Et avec ça, je vais pouvoir faire mon bocal. Non. Ah, c'était du charbon, c'était pas du bois. Eh ben, j'ai pas... Ah merde, j'ai pas assez. Ah, je suis deg. Je peux même pas en faire un, j'ai pas assez. Sol de rétention basique, ça m'intéresse. Tant pis, je vais sacrifier mes pierres pour en faire une terre imperméable. C'est quoi ça? Ah, c'est les collections. Ah, oh, mon dieu! Il y a tellement de choses. C'est les étoiles de... Ah non, c'est les succès, je veux dire, c'est les étoiles de mer. Oh, c'est tous les courriers. Non, les options, on s'en fout. Zeus. Ah, j'ai appelé mon chien Zeus. J'avais oublié. C'est infini ou pas? Alors, pardon, Matei. C'est infini ou pas? Le don du jeu. Ah, le son du jeu est fort. Ah, alors ça, par contre, on ne l'a pas dit. Le son du jeu est fort. Comme ça, ça serait peut-être mieux. Ah, la pluie. Ah, c'est infini ou pas l'engrais de rétention? Bah, je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas dire. Quoi? Oh là, mon dieu. Je vois des choses. Voilà, le son doit être mieux. Tac, 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 tac. Est-ce que je peux... Non. Si, ah si, je peux le mettre. Si, si, je peux le mettre maintenant, mon truc. Ah bah oui, et bah autant faire, surtout qu'il pleut, alors. Si l'arrosage peut être conservé pour le lendemain matin, alors là, ça fait ma... Putain, c'est malin quand même comme jeu de gestion. C'est vraiment malin. Ah, je veux péter des cailloux. Je veux mettre tous mes champs en imperméable. Ils sont où les cailloux? Vite. Alors, les trop gros, je peux pas les péter. Par contre, j'ai souvenir qu'il y en a des petits, mais je sais pas où ils sont. Ne me dis pas que j'ai pété tous les petits cailloux. Je crois que si. Bon, on va aller voir en pleine nature. Eh ben, rien ne se perd. Tout se transforme, là, comme la loi de Le Framboisier en physique. Voilà, petit caillou. Non, alors, ce mec est un escroc. Hein. Le vendeur itinérant. Quand je serai riche, mon premier million, peut-être. J'achèterai des conneries, mais ces trucs, non. Ça ne me servira à rien du tout. Des cailloux, où sont les cailloux? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas du tout. Oui. Il pleut dans ma partie aussi, la chance. Ouais, on est exempté d'arrosage. Si c'est pas beau. On est exempté d'arrosage. Oh, le cadeau. Il y a encore Mère Nature qui me gâte. Qui me gâte. Même s'il y a des arroseurs. Oui, alors les arroseurs, je les convoite. Mais le problème, c'est qu'il faut des lingots de métaux forgés. La chose que j'ai pas du tout. Parce que je suis au début de la partie. Mais dès que je vais pouvoir m'acheter des arroseurs ou du moins des lingots pour les concevoir, tout de suite j'investis dedans. C'est obligé. Je t'ai laissé un message privé Twitch. Ok, t'en retard. C'est urgent ou parce que là j'ai pas ma fenêtre Twitch, donc dis-moi juste s'il te plaît, t'en retard, est-ce que c'est urgent? Je dois qu'on... Non, c'est pas urgent, d'accord. Donc je regarderai en soirée et je te répondrai en soirée, Torota. Merci. Voilà, je veux juste être certain qu'il n'y a pas un truc qui se passe de grave que j'ai pas vu. Ok, ouais. Ok, merci. Tac. Nya, je vais refouiller les poubelles. Oh, algue verte. Oh bah j'ai plus de place. J'ai plus de place dans la... Et j'ai récolté deux rochers. Putain, mais c'est la misère. Laisse tomber. Non, mais ça va pas, mon truc.
Je vais retourner dans mon exploitation agricole parce que... Tu seras Fanta, le roi du butecoin en faisant ça. Ah oui, oui, donc oui, je comprends, tu parles de The Phantasm of cette claque. Bon, salut. Je sais pas s'il a continué dans la crypto-monnaie. Hein. Parce que je crois que ça s'est cassé la figure, les crypto-monnaies, on n'en parle plus. Donc, mais c'est un malin, Fanta. Je pense qu'il a déjà trouvé sa nouvelle entreprise. C'est un entrepreneur dans l'âme, ce garçon. Mais c'est vrai, merci à lui pour les heures de bonheur qu'il nous aura offertes avec son acolyte, Bob Lennon. Ouais, Bitcoin, j'avais compris. T'en fais pas, Maté, pardon. Alors attendez. Il est 14h. Il est 14h, c'est arrosé, j'ai pas assez de cailloux. Je réfléchis dans quel endroit je suis pas allé dans le village. Non, le reste, j'aurais pas de cailloux. C'est bête à dire, mais j'ai ramassé tous les cailloux. Qu'est-ce que je peux faire encore en artisanat? Ouais, je vais abattre des arbres. Je vais faire du bûcheronnage. Je sais plus si celui-là je dois l'abattre. Non, je vais peut-être le garder pour que ce soit pas un désert. Ah, oui, pardon, ça se dit matayer. Mataille. Mataille, ouais. Pardon, je vais essayer de retenir. Mataille. 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 Oui, ça me. Mataille, ok. De toute façon, ouais, effectivement, tout ce qui est pommes de pin et gland et je sais plus quoi, j'avais les. Voilà. Ouais, je peux tout abattre en fait, parce que je peux les replanter à volonté là où je le souhaite. Pas matailler, mais mataille. Ouais, pardon. Gamba, t'es. Ouais, ça y est, tu te mets à du japonais. Mataille. Alors, bûcheron, oh, la misère. La misère dans le sens qu'elle va être vite épuisée. J'aurais pas coupé tous les arbres. En même temps, en vrai, c'est super physique. Une fois, j'ai scié un arbre en vrai. Et encore, il était de taille moyenne, il était pas si grand que ça. Et ça a pris une journée pour tailler l'arbre, enfin pour le couper. C'était horrible. Je suis allé à la scie, je crois que j'avais pas de hache. Je suis allé à la scie et. Oh, c'est hyper physique. J'étais défoncé le jour-là. J'ai dû faire ça il y a peut-être 10 ans de ça, je sais plus. Mais. Ouais, allez, à partir de 20h, on va faire le tableau mystère. Parce qu'il faut que je boucle le samedi et le dimanche. Attends, je fais des feux artificiels là. Ouais, tu repiques les. Ouais. Je pense qu'à terme, moi aussi, je vais t'amener à repiquer un bois artificiel là. Merde, non, je suis en train de crever. Vous êtes épuisé, faut que j'arrête. Parce que si je tombe en PLS, c'est même pas la peine. Je crois que je peux rien faire d'autre. Je vais ranger mon gain du jour et puis je vais provoquer le jour suivant parce que je peux rien faire d'autre. Alors attendez, là je vais garder les ressources, je vais certainement pas les vendre parce que voilà, construction. Ce sont des matières premières ou des bolchons. Il est beau le toutou berger allemand. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est bien. Il n'y a pas de petit profit. Jour 20, voyez. Ah non, alors c'est ma troisième semaine, pardon. J'ai rien dit. Je crois que c'était la deuxième, mais c'est la. En plus. Voilà, faut pas que je me plante. Je suis déjà à la troisième. Oui, ça a marché. Partiellement.
J'ai l'impression que ça marche une fois sur trois là. Vu le. Mais c'est sympa. C'est cool. Ah, il faut que tous mes champs soient comme ça. Mais j'ai plus de cailloux. Alors là. Et les cailloux, ils apparaissent de manière aléatoire. Je sens qu'il va y avoir zéro ressource qui sera perdue dans le jeu. Je crois que c'est la philosophie du jeu. C'est rien ne se jette. Et tout se vend ou se transforme. C'est obligé. L'or, c'est si long à cuire. Et tu m'étonnes. Minerai d'or, dis donc. Ouais, à mon avis, tu déposes ton minerai brut chez le forgeron. Il te dit revenez dans 2 jours. Il faut 48 heures de fonte de pour faire un lingot. En même temps, c'est la richesse. Putain, la vache, ça doit bien se revendre les lingots de d'or. J'espère qu'un lingot d'or, ça coûte, enfin, ça donne au minimum 1000 pièces d'or. Qui c'est qui voulait... Attendez, j'avais une quête chou-fleur. Qui c'est qui voulait un chou-fleur? Jeudi. Qui est jeudi? Jeudi. Les portraits du village. Non, ils sont. C'est le cœur. Qui est jeudi? Jeudi, c'est elle. Ouais. Alors, elle aurait un haut mauve, elle porte une natte. J'ai tout arrosé, on est d'accord. Non, j'ai pas tout arrosé. Merde. Attendez. Attendez, je vais vous lire dans le... Oh. Oui. N'importe quoi. Ça marche des fois... Tu... T'as des fours chez toi? Non, je sais même pas comment on fait un four. Je crois que j'ai pas déverrouillé la compétence. J'ai pas assez d'expérience encore pour pouvoir me concevoir un four. Mais à mon avis, on peut faire des choses merveilleuses, visiblement. Sauf que je n'ai pas... Le temps n'est pas encore venu, je maîtrise pas. Donc là, j'ai arrosé mes champs. Oh non, mais l'arroseur, il me faut absolument un arroseur. Alors, la miss, elle a une natte. Elle porte un gilet mauve. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, mais attends, mais je suis con. J'ai les... Je me souviens, j'ai les noms des Gugus sur la carte. Jeudi, elle est où? Ah bah, elle est là. C'est une maison bleue. La 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 la. C'est la maison bleue, jeudi. Oh, les noisons. Regardez, oh, les noisons. Oh bah tiens. Oh bah tiens, c'est elle. C'est sa baraque, c'est la maison bleue. C'est une maison... Oh, il y a un pio. Elle est où? Elle est dans sa cuisine. Ah, le cliché. Tiens. Oh, il a l'air délicieux. Merci, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ce sera parfait avec du curry. Bonjour. Elle est impolie. Elle m'a dit bonjour après. Tu as besoin de quelque chose? De cailloux. Est-ce que t'as des cailloux? J'ai besoin de... Ah, le gamin. Le mouflet. Salut le mouflet. Oh, il est mignon. Vincent. Papa revient bientôt. Ah, c'est trop chou. J'espère qu'il me rapportera des jouets. Oh, le petit con. Le petit con. Alors. Oh, mais il y a que des gosses. Tu sens l'herbe. Oui, tant que je la fume pas, tout va bien. Elle est où l'école primaire? Elle doit être dans le coin. C'est fermé, oui, c'est Léa, ouais, c'est la végétarienne, je suis sûr. Léa, c'est la végétarienne. Sika, une journée, mon capital s'élève à 17 000. Ah, oh, la vache, c'est beau. Il est parti chercher du lait hier. Le père de jeudi, c'est mercredi. Oula. J'arrive plus à vous suivre dans le chat, mon cerveau. Ah, disjoncte, j'ai un caillou.
C'est à la pioche le caillou. Ouais. Oh, parfait. Oh, chier, rocher. Oh, oui. Oui, j'avais pas vu. J'en ai ici. Oui. Oh, puis j'ai mis du charbon. Trop bien. J'ai pas compris comment j'ai fait pour avoir le charbon. Mais c'est. Oh, oh putain, mon chien, il m'a fait peur. Je voyais qu'il y a un truc qui arrivait sur moi, mais je savais pas quoi. Alors, le chien, pourquoi tu me défends pas contre les chauves-souris? C'est quoi ça? Ah oui, le grand-père qui est mort au début, ouais, dans la narration. Il va y avoir. Il y a toujours rien là-dedans, je crois. Et je crois que. Non, il y a que puits. Oui, le grand-père, il y a. C'est le fil rouge de l'histoire. Et. Ouais. Le défunt grand-père. Pardon. Alors, voilà. Toujours ça de pris. Je vais ranger le reste. Je range le reste. Merde. 3 de trucs de rétention, ça me plaît bien. Ça, alors ça c'est fait. C'est à l'opposé. Ah non, mais non, mais non. Non, il n'y a pas les petits points. Non, je les ai pas fait. Il est la moitié de la journée. On est samedi. Il est moitié de la... Ah, j'ai de la thune. Je vais acheter des graines. J'ai de la thune, je vais acheter des graines, c'est obligé. Ou alors j'achète des lingots d'or chez le forgeron qui est je sais pas où. Et je m'achète un arrosage. Enfin, un arrosage automatique. Non, je m'achète les lingots. Attendez. Je flaire le bon filon. L'arroseur, c'est cuivre-fer. Et le forgeron, il est où? Message de FunFan 1992. Moi je suis lundi, mon frère s'appelle mardi, ma soeur s'appelle mercredi, ma mère s'appelle jeudi, mon père s'appelle vendredi, ma grand-mère s'appelle samedi, et mon grand-père dimanche. Qui est bête? Mais oui, c'est vrai, il y a mercredi dans la famille Adams. Et il y a vendredi, je crois que c'est le personnage. Vendredi, dites-moi si je me trompe. C'est le. C'est l'animal de compagnie dans Robinson Crusoe, je crois. Je crois, hein, je sais plus. C'est un vieux souvenir de littéraire d'enfance. Oui, alors le forgeron. Attendez, je sais plus. Oui, tu me disais quoi, Matéier? Mataille, pardon. Décidément, je vais écorcher ton pseudo, je suis désolé. Il est parti chercher du lait hier. Le cassé a dit, mon père. Ah, le gosse! Le gosse a dit oh, il est parti, j'espère qu'il va me ramener jouer. Mais en fait, il est parti hier. Oui, d'accord. Oui, c'est ballot, effectivement. Mais. Non, mais c'est mignon. Oui, alors le forgeron, il est où là-dedans? C'est quoi ça? Je sais même pas. Forêt inexploitée. Non, c'est le bus qui est cassé. Ça, c'est mon truc. C'est quoi ça? J'ai pas. Génial. On n'a jamais visité, c'est des merdes de toi. Ah non, c'est le, je reconnais, c'est la fontaine et ça c'est le parc de jeux des gosses. Avec balançoire et... Non, attends, Syrie? Non, c'est pas la Syrie que je veux. Ah oui, ça c'est la tente du miséreux. Non, c'est pas ça, ça c'est la supérette. Ah, forgeron. 9h-16h, oh merde. Il est tout à... Tout, oui, il est à l'opposé. Le forgeron... Attends, poubelle, hop. Le forgeron, il est... Il me faut un pont pour traverser la rivière. Voilà. Il est là-bas, le forgeron. Il est là... Non, 5... On est... Diablo 2. Je trouve des airs de Diablo 2 au jeu. Un CD cassé, oui. Non, c'est une bibliothèque, ça. Ah bah, c'est l'école. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, le maire? La bibliothèque est l'un des meilleurs services proposés de Pékinique en ville. Elle est financée avec les impôts que nous récoltons auprès des entreprises locales. Ha! J'espère que tu as taxé à mort l'hôte Nonard. Avec la bibliothèque, on va pouvoir s'enrichir de plusieurs ouvrages. Le forgeron doit être quelque part dans le côté. Ah bah, ça. Ah bah, voilà. Donc, c'est ça. Ça se voit.
La chaudière, elle est énorme. Ça peut être que lui. Et oui, c'était sûr. Il a besoin d'une forge qui pète le feu. Boutique. Ah merde. Ah, je pense... Ah merde. Alors comment je fais pour avoir des lingots? Oui, vendredi, c'est une pierre. Ah bon, j'adore le forgeron, il est hop, une poubelle. Ouais. Oui, j'enchaîne, évidemment. Tu penses bien que tout ce qui me tombe sous les yeux, direct, je réagis en temps réel. Non, par contre, je suis deg, parce qu'il vend le... Il revend la ressource brute, pas raffinée. Moi, c'est raffiné que je veux. Parce que moi, j'ai pas de forge. Ou alors, j'achète le... Attendez, c'est une fournaise professionnelle. En regardant l'intérieur, vous voyez du métal en fusion bouillonné. Oui, mais j'ai pas le droit. Attends. Enclume de qualité de Clint, elle est faite à partir d'un alliage d'iridium. Si j'achète... Attendez, je vais faire le test. Si j'achète un minerai de cuivre, voilà, c'est le moins cher. Je prends un minerai de cuivre. Le minerai de cuivre, je l'ai dans... Pourquoi j'ai de l'or? Merde, j'ai cliqué sur l'or accidentellement, tant pis. Non, je peux... Ah, ah non, je crois que j'avais mis le... Mais non. Non, non, je peux pas mettre dans sa forge pour transformer. Je l'ai toujours dans la... Non, bah je suis couillonné. Pardon, excuse-moi. Du peu, mais vous n'êtes pas assez proche de Clint pour pouvoir entrer dans sa chambre. Bien sûr. Bon, c'est pas perdu, mais je vais rien en faire dans l'immédiat, quoi. Le gars, attendez, il est 15h. Le gars de la supérette, il faudrait que je revoie ce qu'il vend. Il vend pas d'arroseur, le mec. Oh, bah, elle, je la connais pas. J'adorais regarder les nuages, mais j'ai du mal à les voir maintenant. Oui, tu m'étonnes, ma pauvre. Mes yeux sont plus aussi bons qu'avant. Ah, c'est la grand-mère du village. J'ai rencontré un des deux couples vieux, là. Des retraités. Tu vends quoi, mon gars? Est-ce que tu vends des arroseurs? Parce que je suis pas allé en bas de la liste. Ah, il en vend... Oh, le papier peint. Il est trop bizarre, le papier peint. Il vend des arbres fruitiers hors de prix. Jonqui panel... Les baies... Ah, je peux racheter ce que je lui ai vendu. Non, il vend pas les... Ah, c'était sûr. C'est pour plus tard. J'ai pas la technologie de me faire un arroseur. En fait, il faudrait que je puisse me faire des... Je vais dire des macarons. Des lingots de métaux raffinés, mais non. C'est pas pour maintenant. Merde, j'avais dit que j'achetais des graines, mais quel abruti! Pourquoi je suis sorti de sa boutique sans les... Ah! Je suis complètement focalisé par le... Par mon... Oh, c'est qui, elle? Caroline, il n'y a que moi qui trouve qu'Abigail manifeste un intérêt malsain pour les choses tristes et moroses. De qui elle parle? Abigail? Peut-être que je suis trop âgé pour comprendre. Ok! Les villageois ont des états d'âme, laisse tomber. Ah, 4 jours le panais. Ah ouais, mais ça rapporte rien. Si la graine est pas chère, c'est que le fruit est pas cher. Qu'est-ce que je fais? J'investis encore dans la pomme de terre? Ou dans le chou? Il faut peut-être que je garde 2-3 graines pour le prochain printemps dans un an, non? Parce que les graines, elles tournent aussi à chaque saison. Parce que là, j'ai pas de trucs des autres saisons. Mais il faut que je garde de la thune pour acheter les graines en début de saison prochaine. Oh, le bordel. Il faut que je fasse moitié-moitié. Moitié stock, moitié pognon. Parce qu'à mon avis, on peut se retrouver dangereusement coincé dans la gestion de l'exploitation agricole. Je présume, hein, j'ai mis des hypothèses. L'arroseur, c'est niveau 2 agriculture. Ah bon? Attends, je vais regarder. Elle était où la barre de niveau? C'était... Non, c'était pas ça, c'était... Ah, c'était ça. Ah bah merde, je suis niveau 4. Oui, attends. L'arroseur, oui. Je l'ai, le schéma de conception. Mais il me dit qu'il me faut des lingots de 2 métaux.
Or, je peux acheter chez le forgeron que le métal à l'état brut, pas raffiné sous forme de lingots. Et les lingots, il n'y a nulle part où les acheter. Donc, je ne peux pas au final, même si j'ai la recette, je n'ai pas les ingrédients, on va dire, pour créer mon propre arroseur. Je dois trouver le moyen d'avoir accès. Je dois avoir. Attends. Artisanat, regarde. Arroseur, je l'ai. Arroseur, il faut un lingot de cuivre, un lingot de fer. Mais j'ai pas de lingot. J'ai des pépites de base. Pas raffinées. Voilà, un minerai banal qui peut être forgé en lingots de cuivre. Comment ça je transforme en lingots, s'il te plaît? Va dans la mine. Dans la mine. Le forgeron va te donner le craft pour le four. Ah bon? Ah, il faut provoquer la scène en allant dans la mine. Elle est en haut, je crois, la mine. Le lendemain de ta visite de la mine. D'accord. Ok, merci, il faut savoir. Bon, là, comme j'ai demandé, hein, t'inquiète pas, là, c'est pas des vues gâchées parce que je demandais, mais. Merci. Attends, je vais arroser ça et je vais dans la mine. En espérant que je mette pas trop de plomb à l'atteindre parce que. Comme j'ai les bestioles de nuit, je vais me faire patater. Si je sors en fin de journée, c'est dangereux. En haut à droite de la carte. Oui, je me souvenais que c'était la partie pauvre, rocailleuse. Ouais, merci pour l'info. Je sais que si je vais par là en lorgnant le haut, le sommet là sur les hauteurs, effectivement, je me souviens que la mine elle est là-dedans. J'avais vu un wagonnet comme dans Minecraft qui était sur place. Là. Enfin non, ça c'est le truc qui est. Non, c'est plus loin. C'est plus loin, il faut longer le bordel. Ah! C'est. Ouais, c'est du réfort. Ça peut bloquer des. Puits. Ah, des fois. Voilà! Et il faut que j'aille. Là? Il y a des cailloux. Ah, c'est pas des cailloux normaux. Oh, trop bien! Je me fais des cailloux. Waouh, mais c'est là la réserve de cailloux. Oh, je vais me mettre. Oh, c'est génial. Je vais me faire le truc de rétention à donf. Donc, le lendemain matin, il va me rendre visite et tu me dis qu'il va me donner de quoi faire le four. Pour que je sois moi-même forgeron indépendant. Et bah dis donc. Je vais éviter de descendre en bas parce que. Pardon pour le pléonasme, fun fan. Je vais éviter de descendre. Parce que il se fait tard et j'ai plus d'énergie, de toute façon. Plus tu vas descendre, plus tu trouveras des minerais. Ah, mais je pense que plus tu descends, plus c'est dangereux comme dans Diablo. Je présume. Là, j'ai vu un Gus de la mort noire sortir de mon champ tout à l'heure, quand j'étais de nuit. J'ai flippé. Il doit y avoir ce genre d'horreur en bas dans la mine. Je crois qu'il te donne le niveau 10. On verra. Merci du conseil, mais bon, bah on verra. De toute façon, là, mon perso est claqué. C'est direction le lit dodo. Ah, je vais peut-être vider mes poches d'abord. Je vais peut-être vider mes poches. Ah oui. Attendez. Ouais, allez, je vais prendre les vins là. Je vais faire ma rétention. Voilà, c'est trop bien. Et alors, je les prends pas pour aujourd'hui parce que dodo. Encore que. Oh, si, j'ai peut-être le temps. Attendez, là j'ai pas tout mis. Merde! Non, j'ai bousillé une récolte, t'as fait suer. Oh le con, j'ai donné un coup de pioche. Je suis deg. Le truc à pas faire, c'était sûr que ça allait m'arriver ce truc à la noix. C'était sûr. Je sais qu'il faut aller miner pour débloquer le four. Ah mais mine jusqu'à quel point? Je sais pas, on verra, mais merci de l'astuce. Mateia, je sais plus, Bataillé, pardon, excuse-moi, je sais plus, m'en veux pas. Ah oui, ah bah merci, c'est ça, merci. Bonjour,
Je t'ai vu briser des rochers avec ta pioche pour trouver du minerai. C'est du bon travail, ça. Si tu veux pouvoir tirer le meilleur parti des minerais que tu trouves, tu auras besoin d'une fournaise. Oui! Donne-la-moi. Il s'avère que j'ai des plans de construction supplémentaires. Tiens, ils sont pour toi. Alors toi, tu mérites un bisou. Merveilleux, mec. Compétence de régression fournaise apprise. Ouais, bien vu, merci. Une fournaise te permet de faire fondre des lingots de métal. Les lingots de métal peuvent être utilisés pour l'artisanat, la construction et l'amélioration d'outils. Oh la vache. Oui, c'est beau, c'est grand. Hein. Lorsque tu auras obtenu quelques lingots de cuivre, passe me voir pour que je puisse améliorer un de tes outils. Ça te facilitera beaucoup ton travail. Bon, eh bien, je rentre chez moi. Prends soin de toi. Merci. Donc, là, la quête en exclamation, c'est... Ah oui, alors déjà, ça, j'ai fini. Ah oui, c'est le chou-fleur. Forger. Si vous envisagez de poursuivre vos activités minières, vous devez construire une fournaise. Ah bah oui! C'est complètement craqué. C'est quoi? Ah, c'est ça! Ah merde. Il me faut de la pierre, mais surtout, il faut du minerai de cuivre. Ok. On va y arriver, mais... ça te coûte 20 minerais de cuivre, par contre, ouais. Effectivement. Et j'adore le truc de rétention basique, là. D'avoir des plants qui restent hydratés pour le surlendemain, c'est trop bien. Attends, je vais remplir l'arrosoir. Oui, c'est le dimanche. Donc, virtuellement, là, c'est mon dernier jour de... Puis, oh merde, merde, j'ai pas vu, déjà 20h15. Le temps de faire le tableau mystère. Je vais rendre mon antenne, il va être 20... Ah merde! Je suis en train de me dire que Nash a peut-être commencé sur... Je pense qu'il... Alors, j'ai pas l'heure, mais je crois qu'il démarre à 20h, Nash. Faut pas que j'oublie que Torota m'a dit qu'il m'a fait un MP sur Twitch. Faudra que je le lise, peut-être durant le tableau mystère, tiens, d'ailleurs. Ça vous laissera un délai de réflexion supplémentaire. Moi, ce sera fait, puis je n'oublierai pas. Et puis tout à l'heure, on se voit, FunFan. Faut que je fasse tes sons et que je te dépanne, comme convenu. À mon avis, vers les 21h. Et puis je mangerai après. Le dépannage va pas durer parce que j'aurai faim. Même si je broute que de la salade à partir de 21h. Puis il faudra que je prépare ma semaine. Demain, faut bosser. Faut bosser. Ah, le chien. J'oublie de le... Putain, je vois rien. Non, il n'y avait plus rien. Le chien, la gamelle. Alors, c'est le matin. J'ai de la thune. Est-ce que je fais... Non, je vais garder mon fric pour la prochaine saison. Merde, mon arrosoir. Je fais pas ce qu'il faut. Ce serait pas mal que je retourne à la mine, mais le problème c'est que j'ai plus d'énergie. Attends, je peux pas aller à la mine plus... Attendez. Est-ce que je peux me prendre de la bouffe? Ah bah oui, j'ai les fruits. Je vais prendre les fruits pour me doper à la mine. Comme ça, je vais remonter et entretenir mon énergie. Donc, je vais retourner casser des cailloux. Là, je pense que je peux l'atteindre si je monte juste après. Ça mène à où, ça? Je sais plus. Ah non, c'est la fontaine. Alors, attends, faut que j'aille par là-bas, je crois. Ah, je sais pas quel est le chemin le plus rapide pour aller à la mine. J'aurais peut-être dû passer par le haut de... comme tout à l'heure. Et pas sur le côté. C'est par là, je crois. Ah bah tiens. Oh non, allez, je vais être égoïste. Je vais pas lui donner parce que si finalement j'ai besoin de bouffe. Si je donne trop de trucs, je vais me retrouver à poil. Alors attends. Oui, casser les cailloux.
Alors, si j'ai un mec en noir qui sort du sol et qui m'agresse, je me barre de la mine. C'est même pas la peine. Si c'est pas avec ma hache que je vais réussir à le maîtriser. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque sous-sol, il faut péter quasiment tous les cailloux pour accéder à l'échelle suivante. C'est pas con comme mécanique de jeu, c'est même logique. L'idée d'obstruer le bordel. Énergie, j'ai plus d'énergie. Attendez, je vois que vous... Comment je fais pour manger mon truc? Ah, c'est comme ça. T'as pas une épée. Là, j'ai pas d'arme. Ma seule arme, entre guillemets, c'est la hache. J'ai déjà essayé de patater des chauves-souris à la hache, c'est trop dur. Tac, tac, tac. Ouais, je vais voir. Je vais peut-être pas tout bouffer. Bon, là, ça s'annonce bien. Donc je peux toujours casser des cailloux, je suis pas menacé pour le moment. Mais je pense que ça va pas durer. À un moment, il va y avoir au moins une chauve-souris, je pense qu'il va me mettre le grappin dessus. Faut que j'essaye de rester près de l'arrivée. Enfin, près de mon échelle de départ. Ça, je peux pas. Les gros cailloux, je peux pas. Ça viendra plus tard, je sais pas comment. Mais je sais que j'ai pas le pouvoir de péter la roche... Oh la vache, je récolte de ces trucs. Oui, c'est ça qu'il me faut, c'est le minerai de cuivre. Bon, ça va, le jeu est logique. Ah, oh, oh! Il y a un truc. C'est quoi? C'est un scarabée? Je peux peut-être l'éviter, non? Merde, j'ai plus d'énergie. Attends, il est 13h, je peux encore continuer. Il est 13h... Ouais. Oh! Eh, je vais bouffer toutes mes baies, j'aurais pas retrouvé toute mon énergie. Chauve-souris, c'est pas maintenant, niveau 30 avant qu'elles apparaissent, donc t'as le temps. Ah, cool, ça va. Donc si je peux esquiver les bestioles là, moi je peux continuer à creuser. À mon avis, c'est de l'esquive. Voilà, hop. Oh, j'ai vu un truc en haut. Faut pas que j'aille en haut. C'est con, évidemment, il y a plein de rochers en haut. Ouais. Là, je suis tenté par l'appât du gain. Ah, c'est un gélatineux. Un slime en anglais. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Merde, il m'a vu. Il a bougé. Il a bougé, il a bougé. Attends, je fais celui-là et je me barre. Ah bah tiens, j'ai la suite. Non, je vais me barrer. Je vais pas tenter la mort. De toute façon, j'ai plus d'énergie. Et j'ai beaucoup becqueté de baies sauvages. Ouais, quitter la mine. Ouais, j'ai 60 de cailloux. C'est bien d'avoir 60 cailloux. Non, j'ai un beau gain. Franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que le gain, là, il est... Même le minerai, j'en ai 9. 20, hein, on a dit. Ouais, tu m'as écrit 20. Merci. Ouvre. Comment ça, ouvre? Ah, quoi? Attends, pause. Tu pourras aller acheter une épée à droite de ta mine. Enfin, de la mine. T'as une cabane. Ah oui, c'est le truc des aventuriers. Tu peux acheter une épée, ça ouvre à 14h. Ah bon? Ah, il est 15h. Alors, attends, on va aller voir. J'espère que ça coûte pas trop cher. J'espère que ça coûte 1000 balles l'épée, parce que... j'aimerais garder de la thune pour les graines de la saison suivante. Sans quoi, je crois que t'es foutu. C'est horrible, hein. Mais je crois que dans la gestion... Oui, là, oui, je me souviens du plan sur carte. Guilde des aventuriers. J'ai pas le droit. J'ai pas accès. Aventurier aguerris uniquement. Comment ça, ça va? Bah, non. Ça va pas, j'ai porte close. J'ai été snobé, il m'a dit t'étais un petit rien du tout, va aller voir ailleurs.
Donc effectivement, ça rejoint ce que tu me disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai les chauves-souris qu'au niveau 30. Donc si les premiers sous-sols, il faut esquiver juste les ennemis, ça me va, hein. Faut juste faire gaffe, mais là, je me suis pas fait agresser. Je crois que j'ai pas perdu de santé. Alors il est 17, je vais ranger mon butin précieusement dans mon coffre. Et je vais me refaire de la poudre de imperméable là. De l'imperméabilité. Voilà. Comme ça. Marteau. Sol, rétention. Hop, toutes les pierres y passent. Je m'en fous, c'est trop bien. C'est trop bien. Faut que t'as tué un slime pour qu'il te recrute. Ah bah alors, s'il faut que je bute mon premier slime. Bah ce sera la prochaine fois, mais merci. Hein. Ce sera la prochaine fois. Voilà, là aussi je peux en mettre. Ah ouais? Fertiliser, mais non, c'est pas fertiliser. C'est imperméabiliser. Oui, là il y a une erreur de texte. Mais ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Ah bah j'ai quasiment... Ouais, c'est bien. Oh, trop bien. Je suis content. C'est le dimanche. Qu'est-ce que je fais? Je revends des trucs ou pas? Non. Non, je vais rien vendre. Je vais rester prudent, je vais rien vendre. Puis je vais m'arrêter là. Oui, il est déjà tard, là. Il est 20h et des brouettes. On va faire le tableau mystère. Voilà, ça va sauvegarder. Très bien. Nickel, on arrête là. Nickel. Tableau mystère. Je crois que je peux faire honteusement un Alt F4. Bonsoir la Razmoquette, comment ça va? On va faire le tableau, mystère. Bougez pas.